Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de mon top 8 de livres liés à la bourse ou à l'investissement. J'en ai lu une trentaine, je voulais faire un top 10, mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'avais pas de quoi faire un top 10. Qu'il n'y en avait pas de 10 qui m'aient vraiment marqué, je voulais vraiment vous faire un top de livres, pas seulement euh, vous dire quelques bons livres à lire. Non là je vous fais vraiment un top des livres qui m'ont marqué. Donc on commence par le 8ème, vous pouvez être un génie de la bourse par Joël Greenblatt. Qui vous explique que vous n'êtes pas obligé de garder une action pendant 20 ans pour gagner de l'argent en bourse. Il y a plein de moyens. Euh, entre autres, les spin-offs, les options pour jouer les rebonds plutôt que seulement acheter l'action, euh, ce genre de choses. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce que voilà, moi j'étais très euh, action long terme, tout ça, et c'est vrai que ça donne euh, d'autres possibilités, d'autres cordes à son arc. Le septième, c'est Les écrits d'Ouran Buffett, qui est une compilation en fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, des euh, lettres pour euh, les actionnaires de berkshire Hathaway de Warren Buffett, compilé par Lawrence Cunningham, mais organisé par sujet. Donc euh, pour chaque sujet, vous avez des différentes choses que Warren Buffett a dit, euh, par exemple en 85, en 90, euh, en 93. Ça permet de recouper des idées sur un sujet. Et c'est le livre que Warren Buffett préfère, qui parle de lui et de sa stratégie d'investissement. Le sixième, c'est « Si vous en saviez assez pour gagner en bourse » de Peter Lynch. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur ce livre précisément. Et le deuxième, battre Wall Street. Bon, je n'allais pas le mettre les deux, mais les deux sont intéressants. Euh, ça permet de vous expliquer pourquoi, vous en tant que particulier, si vous faites le travail, il faut évidemment faire du travail. Vous pouvez battre le marché. Et battre les pros, surtout. Quels avantages vous avez sur les pros C'est un des premiers livres que j'ai lu et je l'avais vraiment bien aimé. En numéro 5, il y a Warren Buffett et l'interprétation des états financiers par Mary Buffett et David Clark. Mary Buffett et son ancienne belle-fille. C'est le premier livre que j'ai lu sur la bourse. Euh, je suis allé peut-être un peu fort pour une première fois. Donc il vous explique vraiment comment lire un compte de résultat de A à Z et un bilan aussi. Euh, c'est limite un compte comptabilité en fait. Et c'est très intéressant pour voir en fait l'évolution d'une entreprise. Lui il parle. Voilà quand il lit sur une entreprise, c'est les dix dernières années quand il va lire un, un bilan et un compte de résultat. Les rapports financiers, il les lit sur dix ans. Et là il vous explique vraiment comment lire les rapports pour voir l'évolution de l'entreprise euh, voilà tout ça. C'est un livre euh, vraiment intéressant mais pas au tout début quoi. Il vaut mieux avoir que déjà un peu de comprendre un peu comment fonctionnent les entreprises, la bourse, comment voilà, lire un peu les rapports avant d'acheter ce livre mais il est très intéressant. Le numéro 4 c'est Investir à long terme de Francisco Garcia Parames. C'est un gérant de fonds qui a fait 16% par an sur plus de 20 ans et presque que sur le marché espagnol. C'est un espagnol avec son nom vous l'aurez compris. Et dans ce livre, euh, il nous explique qu'il faut euh, en gros, se spécialiser. Que vous n'êtes pas obligé d'investir dans le monde entier pour gagner de l'argent en bourse. Vous pouvez très bien vous concentrer sur un marché. Votre marché domestique, il y en a qui il faut diversifier. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises que vous avez en portefeuille, elles vont faire tout leur chiffre d'affaires en France ou sur une région ou autre. Vous ne pourrez pas être spécialiste du big cap en même temps, des small, de l'énergie, des chinoises, du marché européen. Vous ne pourrez pas tout connaître. Et lui, voilà, lui, il pousse quand même à se spécialiser, à vraiment apprendre à fond. Et parfois, euh, voilà, c'est mieux que de, de partir dans tous les sens. Euh, clairement, il est pro-action aussi, hein, il est contre les obligations. À long terme, pour lui, c'est les actions. Mais c'est un livre voilà, que j'ai trouvé intéressant aussi pour euh, éviter de courir euh, plusieurs lièvres, comme on dit. Euh, parfois, il faut se, se spécialiser. Ça ne veut pas dire que vous devez tout avoir sur l'énergie euh, dans votre portefeuille ou tout sur la France. Ou... Mais voilà, vous ne pourrez, pourrez pas être un spécialiste de tout. Donc, parfois, il faut se limiter. Donc, le numéro 3, c'est What I Learned Losing a Million Dollar Dollars par Jim Paul et Brandon Mohonian. C'est pas vraiment un livre sur la bourse, c'est plutôt un livre sur la psychologie et sur la chance. L'auteur raconte sa vie et explique en fait, comme il a eu de la chance tout le long de sa vie, sans s'en rendre compte. Quand il a commencé à faire du trading, il a commencé à gagner de l'argent. Et ça a été la pire chose qui pouvait lui arriver, parce qu'il a commencé à prendre confiance, il a gagné encore plus d'argent, sauf qu'il prenait de plus en plus de risques, sans s'en rendre compte. Jusqu'au jour où il a vraiment pris trop de risques. Et il s'est rendu compte qu'en final, ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, c'était pas de, du talent, c'était de la chance. Tout ça pour dire qu'au final, gagner au début, c'est peut-être la pire chose qui peut nous arriver en bourse. Parce qu'on prend la confiance, on va forcément prendre plus de risques, parce qu'on va se sentir confiant, meilleur, jusqu'au jour où, où la réalité va, va nous tomber dessus. Le numéro 2, c'est Ce qui marche à Wall Street de James o'shaughnessy. C'est une vraie encyclopédie, hein, ce livre, c'est fou. Toutes les stratégies, Small Cap, Big Cap. Value, dividende, tout, mais euh, avec des détails. Euh, par exemple, small cap, value, big cap, dividende, tout, tout. Et quand il prend des datas, euh, les plus longues datas qu'il puisse avoir. Hein. Donc, euh, c'est assez énorme le travail qui a été fait pour ce livre. Euh, après, le livre fait 800 pages. On pourrait seulement partager le tableau avec toutes les meilleures stratégies, avec les meilleurs rendements. Mais moi, je l'ai lu et euh, franchement, euh, je ne regrette pas. Et ça me conforte dans mon idée de rester sur les small cap euh, value parce que c'est clairement ce qui marche le plus à long terme. Mais voilà, c'est pas que ou même. Ce qui rajoute des indicateurs, des petits trucs en plus, genre le, la trésorerie, euh, la rentabilité, des fonds propres, tout ça. Pour arriver à la meilleure stratégie, vraiment. Il a collecté beaucoup de data. Si vous ne savez pas encore quelle stratégie adopter, c'est un livre parfait pour vous. Et le numéro 1, le livre qui m'a vraiment euh, changé ma vision d'investissement, c'est La chose la plus importante par Howard Marks. Ça a changé surtout ma vision du risque. Un passage qui m'a vraiment marqué, c'est euh, même la meilleure entreprise au monde, si vous l'achetez à un mauvais prix, sera un mauvais investissement. Et quand on voit certains payer euh, 40, 50 fois les bénéfices sur certaines valeurs, c'est exactement ce que je me dis. C'est qu'à la fin, à chaque période de l'histoire, il y a eu des, des gens qui essayent de justifier des PER insolents, et à chaque fois le marché est revenu vers une moyenne. C'est comme ça. Alors oui, vous allez me trouver quelques exceptions Hermès qui s'est plus ou moins toujours payé super cher, L'Oréal qui se paye toujours cher, tout ça. Mais un moment ou un autre, à part quelques valeurs très rares, le marché reviendra à sa moyenne. Et 30, 40 fois les bénéfices, ce n'est pas une moyenne. À part c'est une croissance qui suit. Mais à un moment donné, la croissance, ça, ça se compose la croissance. À un moment donné, il y a des limites. Les entreprises ne peuvent pas faire 50% par an à l'infini. Donc à un moment donné, les PER vont devoir suivre la croissance pour justifier la valorisation. Et ça, ou même à l'inverse, par exemple, il y, y a des actifs qui ne sont pas du tout intéressants, qui pourraient paraître totalement inintéressants. Comme en plein 2008, lui, en pleine crise des subprimes, il a acheté des obligations pourries, les junk bonds. Parce qu'il y a une telle rentabilité dessus qu'il a fait son calcul de risque, même en comptant un, un taux de défaut énorme, il a avait une rentabilité assez folle en fait. Et il en a acheté plein, il a gagné beaucoup d'argent, il aurait pu en acheter plus si les gens n'avaient pas sorti l'argent de ses fonds. Mais euh, voilà, chaque actif a un prix. Et même le pire actif peut devenir intéressant, à acheter au bon prix. Et à l'inverse, même le meilleur actif au monde peut ne pas être intéressant si vous le payez trop cher. Ça va totalement à l'inverse de Warren Buffett, qui dit qu'il vaut mieux acheter un, un prix normal un actif exceptionnel qu'acheter un actif moyen à un bon prix. Mais le problème, c'est que les gens qui disent ça justifient beaucoup de choses en fait. Ils justifient encore une fois de payer trop cher pour des actifs et d'avoir derrière une rentabilité moyenne en fait. Si vous payez trop cher, qu'il y a un retour à la moyenne des prix. Et que la croissance est normale, on va dire, bah, vous aurez une rentabilité moyenne, voire mauvaise. Et toute la partie sur le risque du livre est vraiment. Euh, c'est pas pour rien que je mets numéro un c'est vraiment le livre qui m'a fait voir les choses différemment. Et je vous mets un petit livre bonus. C'est pas un livre sur la bourse, c'est un livre sur la psychologie. C'est Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Ça, c'est un livre très intéressant sur notre manière de réfléchir, les billets qu'on a, les billets d'ancrage. Bon, cette action est à 400, elle est à 100, donc euh, bah, elle est pas chère. Ouais, mais peut-être qu'elle est encore chère, en fait. Je prends l'exemple, Paypal. Paypal, elle paraît pas chère, parce que quand on regarde son top, on se dit, elle est pas chère. Oui, mais peut-être qu'elle été vraiment euh, des prix euh, débiles, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, avec les, la concurrence, les risques, elle est peut-être pas si pas chère que ça. Les billets d'ancrage, mais plein d'autres billets, en fait. Même dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement voilà, lié à l'investissement, c'est plein de billets qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Ce livre est très intéressant, et je pense que tout le monde devrait le lire. Donc ce sera tout pour ce petit top 8 de mes meilleurs livres. Et moi je vous dis à la prochaine